Gros, on est maudit avec Airbnb. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dormir ici. C'est incroyable. Bah, et gros, tu joues à quoi là? Okay, hop. Ah oui, merde, c'est les chiottes ici. Tranquille. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Attention, les deux pilotes de l'avion sont ici. Seyar, sa chaîne YouTube. Là. Et Kalex avec nous aussi là, sur Instagram, YouTube, Twitch, tout ça. Allez, follow les gars. On va devoir trouver les clés, pareil, c'est dans une enveloppe et tout. Je crois que sur YouTube ça a jamais été fait. Dites-moi si ça a déjà été fait. Ah, c'est devant l'accueil. Ça commence bien. Je crois que c'est clairement un camping passionné par l'aviation. Vous avez un tout petit peu badé quand même ça. On a trouvé. On dirait vraiment genre c'est un truc pour un billet d'avion. D'ailleurs, allez voir la vidéo où on a testé un Airbnb de merde. Vous allez voir, extrait tout de suite de dégueulasse. Sérieusement, vraiment? Gros, tellement. Les gars, finalement, vas-y, on se barre. Allez gros. Vous embarquez dans mon avion? Fais comme Valérie, tu sais, quand elle monte son truc dans le déco là. Valérie d'animaux. Valérie d'animaux. Wow. Viens entrer, s'il vous plaît, dans mon avion. Incroyable. Par contre, moi je suis grand, donc toi, en vrai, c'est à ta taille. Super. Wow. Mais moi, genre, quand tu vois que les cheveux, ils touchent pas. Ça sent un peu. Ça sent un peu la merde. Ah, pardon, les chiottes, gros. Oh mec, regarde les chiottes, y'a pas de porte. Mais gros, tout le monde te voit en plus dehors quand tu chies, gros. Mais par contre, ça, c'est stylé tout ce qu'il y a là et tout. En vrai, ça va, hein. Attends, mais y'a qu'un seul lit? Non, un là. Ah oui. T'en penses quoi? Franchement, ça va un peu un cher. Un peu déçu quand même pour ce que c'est. Ah, de ouf. Les chiottes et tout. Ouais, non, vas-y, pour l'instant, on va pas critiquer, on verra bien. Ouais. Et toi, avec qui t'as pensé? Bien, super. Bah, ça passe, ouais. Je trouve ce coin très stylé là. Où il y a les. Oui. Par contre, là, ça va vraiment être stylé. Voilà, on va pouvoir faire des bêtes de poche, genre en mode beau gosse et tout. Genre, on prend l'avion, les gars. Genre, bienvenue, vas-y. Ouh, y'a quoi dedans, là? C'est vrai, du PQ 100%. Champagne. Mais attends, toi, t'es. C'est quoi? T'as l'humour de beauf, genre, tu sais déjà ce qu'il y a dedans. Ouais, donc vraiment pour l'instant, franchement, c'est trop bien. Ils ont vraiment joué le jeu dans le sens où ça ressemble vraiment à un avion, même l'intérieur et tout, jusqu'aux chiottes comme vous avez pu voir. Bon, après, c'est pas super méga confortable. Franchement, je me verrais pas passer plus d'une nuit dessus. A 3, c'est un peu étroit quand même. A 3, c'est un peu étroit. Gros, on est d'accord, pour en faire une vidéo, c'est super. Mais si t'es quelqu'un qui fait pas de vidéo, on est d'accord que ça sert strictement à rien de prendre ça. À rien du tout. Rappelle-moi le truc juste là. Rappelle-moi le prix de cette nuit. 90€ la nuit. Non, 100€, gros. Ah, c'est vrai que j'ai payé 105. Bah autant, franchement, je préfère prendre un truc comme ça, c'est plus grand. À part si vraiment vous êtes fan d'aviation et que votre rêve, c'est. Enfin, votre fantasme, c'est faire l'amour dans un avion et du coup, ce sera plus accessible ici, quoi. C'est un peu bizarre ce que je dis, non? Gros, attends. Ouais, je suis protégé de rien. Attends, mais regarde surtout, gros. Je sais même pas si vous le voyez, mais on voit tout. Les rideaux ne servent à rien. C'est horrible, pourquoi est-ce que c'est les toilettes? Oh mais c'est vrai. Tu peux pas pisser. Vas-y. Déjà tu vas pisser debout, vas-y. J'ai même pas assez d'espace pour vous montrer. Comme ça. Tu ne peux pas te mettre debout. On fait comme ça genre. Les gars là nous allons faire les courses et justement nous allons faire une vidéo avec le frérot Alexis. Il a jamais mangé McDo de sa vie. Oui, dites dans les commentaires, c'est choquant. Du coup, on va faire une vidéo où il va goûter pour la première fois de sa vie McDo. Ça va être incroyable. On va aller prendre son petit McDo. Ah, tu es bien. Quoi? Non. Les gars, on vient de se rendre compte qu'il fait très très chaud à l'intérieur et que tout à l'heure, on a été faire les courses. On a été malin, on s'est fait un petit McDo, on s'est pris quelques petits apéros et tout. Combien de bouteilles d'eau on a pris? Zéro. Il fait une chaleur à l'intérieur. C'est fermé, gros, 21h. 20h10, moi je crois qu'on va aller acheter de l'eau en speedos là. Vraiment bon. Ouais, c'est bon, ça fait. Bon, les gars, je vous le dis là, on fait genre qu'on va faire des photos. Et derrière vous, actuellement, il y a les gendarmes qui vont arriver. Donc là, je vous le dis, je sais pas, c'est la surprise, on va avoir une grosse amende. Qu'est-ce qui va se passer? Il est 21h passé. Donc, on va voir. Ils sont juste. Oh ouais, c'est vrai ça. On est complètement à la merde. Mais c'est pas grave. Ouais. En tout cas, vous voyez ce qui se passe dans ce vlog où nous avons dépensé plein d'argent pour venir dans ce Airbnb. C'est la merde. Au final, on n'a pas eu d'amende, donc c'est bon, on va pouvoir repartir pour le décollage. Let's go! Regardez la nuit, la gueule qu'il a. C'est incroyable. On dirait vraiment, genre, on vole. L'avion vole, là, genre, et si je bouge un peu.
par an, le mec dans le ciel, c'est pas possible quoi. Bon voilà les gars, en fait, en gros là j'ai pissé, je vais pisser comme ça là, vraiment. Et là en face il y a le rideau comme ça, donc à tout moment ils peuvent me voir en train de pisser. Donc après je m'en fous, mais je suis un peu pudique, tu vois, donc mais ça va en vrai, ça va. Gros, on est maudit avec l'Airbnb. Hein. Attends, tu veux me cadrer en train de pisser? Vas-y, je pisse. Bonjour, aujourd'hui vous allez pénétrer dans l'envers du décor du pilotage d'avion. C'est parti. Program activated. Nous avons mis la clientèle dans la chambre de luxe. Nous allons maintenant pouvoir démarrer le bolide. Vous allez nous suivre en immersion, c'est parti. S'il vous plaît monsieur, attachez-vous. Vous êtes bien attaché monsieur? Parfait, c'est bon. Ok, on peut décoller. Venez dans le cockpit monsieur, installez-vous. Je me rends compte quand même que vous avez énormément de chance de... Vous vous rendez compte ou pas? Bien sûr. En vrai, on se met beaucoup la pression en pensant qu'un avion c'est dur à piloter, mais en fait, c'est aussi simple qu'une trottinette électrique. Ici, vous avez le volant. Ici, vous avez le petit klaxon. Quand vous appuyez dessus, ça fait... Ensuite, ici, c'est la manivelle pour tout simplement... Tout simplement? C'est tout simplement pour, quand vous tirez cette manivelle vers là-bas, vous montrez à tout l'équipage qui est avec vous que vous voulez décoller. Pour vraiment décoller l'avion du sol, c'est vraiment pour pousser vers soi, ok? C'est un avion, c'est incroyable, mais c'est très simple, ok? Il y a plein de petits boutons, j'ai pas tout vous expliquer, parce que c'est très compliqué, ok? Vous voulez savoir un bouton en particulier, monsieur? Oui, celui-ci. Ouais, celui-ci. En gros, celui-là, c'est en mode on décolle, on prévient les autres pilotes qu'on va décoller sur la piste. Et les boutons à côté... C'est quoi? Elle est derrière. C'est quoi comme bête? Je sais pas. Alors, monsieur, nous sommes des pilotes. Oui. Une bête, on ne peut pas dire il y a une bête, on arrête l'avion. C'est impossible. Ah bah c'est dommage quand même. Oui, c'est dommage, mais c'est impossible. Ce bouton-là, sans lui, on serait un peu dans la merde. En gros, grâce à ce bouton, on peut faire du pilotage automatique. Comme vous, quand vous êtes en voiture, c'est un métier en or. Je vous mens pas, j'ai une chance, je gagne 20 millions par mois, mais je pilote des avions. Ouais, c'est pas mal. Moi, en vrai, vous savez... Je pourrais y gagner plus. Hein. Paro décollage. Et ça... Justement, ici, c'est vraiment très important. Ça, c'est main droite. Ici, c'est pour dire, attention, je vais décoller. Ok. Ici, c'est pour dire, la radio activée. Hop, j'active la radio. Alors, le bouton le plus important, mais vraiment le plus important, c'est celui-ci. À votre avis, c'est lequel? Je pense que c'est le distributeur de capot. Alors, vous êtes un gros porc. Non. Ici, quand on appuie dessus, c'est le bouton abonnement. Quand vous appuyez dessus, tous les gens qui regardent cette vidéo doivent s'abonner. Sinon, l'avion ne peut pas décoller. Donc là, hop, je dirige l'avion. Hop, les... Ouh, ça bouge un peu. Hein. Ça va vous? Monsieur, vous êtes prêt? Oui. Attention, ça choque un peu au début. Hein. Oh putain. Ouh. Ok. Là, vous avez vu que je suis professionnel. Ça se voit que je suis pro, ok? C'est pas tout le monde qui peut faire ça, ok? Ok, et là, justement, et une fois là, nous pouvons activer que nous sommes en plein vol, le premier bouton, et le deuxième bouton, le vol automatique. Et là, on peut relâcher le volant, aller voir un peu le test de l'air, faire un petit coup. Allez, on a bien profité, je vous mens pas que j'ai un petit coup dans la gueule avec l'hôtesse de l'air, on a bien picolé. Oula, là vous voyez, je vois au loin, ouf, c'est pas cool, un nuage. Ça se calme. Même après 20 ans de métier, ça me fait un peu peur aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça se passe bien. Dans cet Airbnb, on peut vraiment imaginer une histoire incroyable quand même. On va peut-être dormir ou faire autre chose, on va voir. Bonne nuit, à demain la team. Ciao. À demain. On va aller voir le frérot Seigneur, non? Il torche. Il est là à 7h30. Anthony, tu joues à quoi, là? Tu sais qu'il est 9h30 et qu'on doit partir dans 30 minutes, genre? Anthony, il y a une grenouille dans la chambre. Fais gaffe, il y a une araignée qui est sur ton dos. Je vais pas réussir. Abonnez-vous, Warpody. Mais gros, tu veux pas te réveiller, ça? Je te répondais pas? Pas du tout. Dans ma tête, j'étais debout devant la porte.
On vient de se réveiller dans l'avion en pleine forme. Moi je pète la forme. Hein. Vas-y mec, viens. Waouh. Salut les mecs, comment ça va? J'étais un peu occupé. T'as pété, Baron, t'as entendu? Derrière la porte, t'as pété, gros. Non, en fait, c'est la porte, elle grince. Ah, comme ça. Bon, après avoir passé une nuit dans cet avion, et bah franchement, j'ai super bien dormi, j'ai eu du mal à me réveiller. Tellement que j'étais bien, il faisait pas trop chaud, il faisait très bon, un peu froid limite, donc parfait. Je préfère me réveiller quand il fait un peu froid plutôt que quand il fait chaud, c'est horrible. Donc franchement, au début j'avoue, on a voulu le critiquer, on s'est rendu compte finalement qu'il y avait la clim et aussi un radiateur. Donc au final, quand il fait chaud ou froid, on peut changer la température, donc c'est plutôt cool. Donc franchement, ce petit avion, c'est bien, c'est original, mais... Alexis, c'est là, Alexis, t'as bien dormi toi? Ouais. Ouais, bien sûr, à côté de la BMW de l'avion. Nous avons du coup une petite plage. Mon perso, on va aller tester la température de l'eau. Vas-y, on va toucher pour voir la température de l'eau. Ça va ou pas? Ça va, mais le doigt, frérot. Mais si tu mets une jambe. Ouais, j'avoue. Mais franchement, j'avoue, elle a pas l'air froide. Vas-y, Alexis, jette-toi à l'eau. Allez. Je t'en prie. Bon, les gars, alors je vous explique, on va faire un truc sur le sol. On va écrire on va faire un grand un truc énorme. Et après, Là, je vais aller chercher le drone. Comme ça au début ça va être que sur nous, on va faire comme ça avec nos mains, coucou. Et là le drone il va partir, on va voir ce qu'il y a écrit par terre, vous allez voir ça va être incroyable. Je vous mets l'extrait tout de suite. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, on finit ici sur la plage. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Abonne-toi si tu es nouveau, ça fait plaisir. Et surtout dans les commentaires, dites-moi quel Airbnb vous voulez qu'on fasse. Proposez-nous plein de trucs. Franchement, j'adore faire cette série-là parce que ça me fait bouger de chez moi, ça me fait voyager. Et même, on pourrait même faire d'autres pays, ce serait hyper cool. Et franchement, j'adore, ça me fait passer du bon temps entre potes et tout, c'est super cool. Donc voilà, merci, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude et comme toujours, pour descendre vous la team. Ciao. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage, grâce à mes finances. Je perds pas mon temps, car j'ai besoin de mailles. J'ai beaucoup d'argent, je veux pas être sur la plage.